Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un paradoxe de l'économie bordelaise, puisque le taux de chômage des cadres à Bordeaux est faible, autour de 5%. Pourtant, les employeurs se plaignent souvent d'une pénurie de talent, en tout cas dans certains secteurs d'activité. Et de l'autre côté de la barrière, de plus en plus de cadres disent avoir des difficultés à trouver un poste dans leur domaine de compétences, dans la capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, cela signifie-t-il que Bordeaux ne crée pas assez d'emplois de cadres. Qu'en est-il réellement On va en débattre avec Daniel Sancier, qui est la déléguée régionale de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et Lionel Poudère, qui est le président de Invest in Bordeaux. On commence avec vous, Daniel Sancier. Alors il y a quelques jours, vous avez organisé justement avec l'APEC un salon des cadres à Bordeaux, ce qui n'était pas arrivé depuis cinq ans. Euh, et c'était aussi la preuve que justement vous avez organisé ce salon, parce que de plus en plus d'employeurs vous disent « Nous avons des difficultés à recruter ». Alors, ce qu'il faut quand même se dire et partager, c'est que si nous avons organisé en 2019 un salon Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, c'est parce que le marché est dynamique. Autrement dit, des recrutements se font. Les entreprises cherchent en effet des compétences qu'ils trouvent, puisque, euh, rappelons-nous, 14 000 recrutements prévus cette année en Nouvelle-Aquitaine, 40 sur la métropole de Bordeaux. Donc, des recrutements se réalisent. Cependant, et comme dans beaucoup de métropoles, il y a des entreprises recherchent des compétences qui peuvent être rares tout simplement parce que euh, sur des profils techniques, sur des profils liés notamment aux activités informatiques compte tenu de l'évolution des métiers, de l'évolution, on va dire du développement économique des entreprises qui passe nécessairement par le fait de se doter de ces compétences-là. Par contre, euh, ce qu'il faut se dire aussi et Allez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Notre région et la métropole de Bordeaux est particulièrement attractive, ce qui veut dire qu'un grand nombre de personnes souhaitent venir s'installer à Bordeaux. Pour certains, euh, on va dire la, la recherche d'un job qui leur corresponde va prendre un petit peu plus de temps. Autrement dit, on est sur un marché dynamique, je le, je le confirme, mais qui est contrasté avec en effet des entreprises qui recherchent des compétences qu'elles peuvent avoir du mal à trouver, et des personnes qui, elles, recherchent un job avec des compétences qui ne matchent pas toujours avec celles que recherchent les entreprises. Quels sont les métiers justement les plus recherchés sur Bordeaux Alors, sur Bordeaux, on va retrouver particulièrement représentés tous ces métiers liés à l'informatique, notamment tous les métiers qui ont, ont, ont trait à la donnée, au réseau à la sécurité informatique et qui sont des, des postes proposés par des entreprises et par des ESN, les entreprises de services numériques qui sont très fortement représentées sur, euh, sur euh, la métropole. On va retrouver bien entendu, comme toujours, des postes en recherche et développement, très souvent liés à ce que je viens de dire précédemment, et puis également des postes à orientation commercial, marketing avec une forte dominante commerciale et bien sûr l'intégration des nouvelles formes de commercialisation et notamment Internet, que l'on soit sur la dimension marketing et ou commerciale. Lionel Le Poudre, en tant que président d'Invest in Bordeaux, vous accompagnez justement les entreprises qui s'implantent sur le territoire. Est-ce que vous constatez aussi justement que ces entreprises ont parfois des difficultés à recruter ou est-ce que ça a changé récemment Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la, la dynamique d'implantation reste toujours très positive et que euh, cette dynamique d'implantation irrigue de plus en plus ce territoire. C'est-à-dire qu'elle se concentre, euh, je peux dire, de moins en moins, mais la, la tendance effectivement à exploiter l'ensemble de la géographie. Euh, du territoire est importante. La croissance d'implantation reste, reste importante. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que euh, le nombre d'emplois créés par typologie d'implantation est aussi en augmentation. Et à ce titre, Bordeaux, la région aquitaine, devient euh, quasiment euh, la première en termes de, de ratio euh, sur ce sujet. Donc, la, la, in fine, la, la, la conséquence, c'est que les entreprises qui s'implantent euh, trouvent euh, une main-d'œuvre et euh, du personnel qualifié de talent. Donc euh, la réponse, c'est non, il n'y a aucun problème aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas de, 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 de retour des entreprises qui s'implantent sur une problématique de recrutement. Alors il y a évidemment des filières en tension. Euh, Mais Daniel... c'est aussi lié à la notoriété de ces entreprises. Hein, quand évidemment, on s'appelle Betclic, Ubisoft ou Hermès... C'est plus facile de recruter que ou, ou, quand on est une TPME Oui, ou une mais pas seulement parce qu'on constate que, notamment au niveau de l'attractivité forte de la dynamique des startups et du réseau des startups et des, de l'ensemble des réseaux d'entreprises qui sont créés, il y a évidemment une appétence. Alors, ensuite, il y a comme dans quasiment. Euh, toutes les métropoles en France et des filières en tension. Daniel citait effectivement l'informatique, le digital, tout ce qui est data, etc. On l'a aussi aujourd'hui dans des activités type tourisme, etc. Donc on voit bien que là, effectivement, il y a besoin de travailler sur des renforts de compétences et de dispositifs de formation à ce titre. Pour donner un exemple, nous avons implanté l'école d'intelligence artificielle de Microsoft qui vise justement à remettre des personnes éloignées de l'emploi, donc en reconversion sur ces nouveaux métiers qui sont effectivement les métiers quasiment industriels de demain. Et ce discount fait pareil aussi, hein. il forme de plus en plus ah, des, de, de jeunes chômeurs pour les amener vers ces métiers hein. Absolument, il y, a, il y a, je pense, une, une énergie collective hein, qui est portée par euh, l'ensemble des institutions, par les entreprises, pour justement prendre en compte euh, ces dynamiques où aujourd'hui, il y a besoin d'adapter un peu plus la compétence. Et évidemment, l'ensemble des acteurs de l'emploi, dont la PEC, avec laquelle nous travaillons avec grande proximité, euh, sont, sont totalement inclus dans ce dispositif. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte collective de, du sujet. On l'a vu, en 2018, Bordeaux faisait partie des villes justement où il y avait de, le plus quasiment de création d'emplois en France. Et dans ces emplois, il n'y avait pas tant que ça d'emplois de cadres. On a souvent reproché à Bordeaux de ne pas avoir assez de sièges sociaux. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il n'y a pas tant que ça d'emplois pour les cadres, de manière générale, à Bordeaux où est-ce que ça commence à changer Alors, alors euh, moi, je pense que enfin, les statistiques qu'on a, en tout cas sur 2019, démontrent que ça change. La première chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de, du réseau que nous avons mis en place chez Invest in Bordeaux, en partenariat avec les acteurs de l'emploi, qui le Job in Bordeaux, on a aujourd'hui, on accompagne plus de 350 cadres. Euh, en partenariat avec la PEC, avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, pour les aider effectivement à se réinsérer ou s'insérer professionnellement. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance aussi de, de, de beaucoup de structures, de secteurs d'activité, d'expertise qui vont chercher des talents spécifiques. Je pense bien sûr à l'aéronautique, au spatial, à la défense, à la santé, à l'e-santé, etc., etc. Mais la logistique aussi est une, est, une, est une filière qui devient excellente avec effectivement des, un mode de distribution qui va chercher des compétences très spécifiques. Souvent on en entend que les conjoints des par exemple des cadres qui sont mutés d'Île-de-France, de, de Paris, ont du mal à trouver des postes. Est-ce que euh, aujourd'hui vous arrivez plus facilement euh, justement, à les, les accompagner Parce que quand vous les accompagnez les entreprises qui délocalisent ou qui implantent un bureau ici, vous accompagnez aussi évidemment bah, les conjoints également. Comment vous faites Alors, le dispositif Job in Bordeaux est spécifiquement lié en fait à l'accompagnement des conjoints et aux toutes les personnes qui sont en mobilité. Donc derrière, il y a un processus en fait euh, important. Alors après, on vit pas dans un monde idéal, on ne trouve pas. Enfin, l'objectif, c'est pas de trouver un job à tout le monde. Mais si on fait simplement euh, un, et on un, un trouve pas le même poste donc pas le on même à poste Paris, etc. Etc. Enfin, à Bordeaux, On vit pas à Londres comme à New York, comme à Singapour, mm. comme à Paris, comme à Bordeaux etc. Chaque, chaque environnement a sa ses spécificités. Il faut, moi, je fais un petit coup de, de, rétropri, de rétroviseur quand même. Hein, donc, je. je je suis euh, président d'Inestine Bordeaux depuis 2-3 euh, ans, mais globalement, si on se projette il y a 30 ans, si on fait un petit coup de rétroviseur à 30 ans, il était très compliqué de trouver un poste d'encadrement sur Bordeaux. Aujourd'hui, si on se met dans cette dynamique-là, avec la dynamique qui est créée par l'ensemble des acteurs, on voit qu'on approche euh, beaucoup plus facilement, que plus on implantera des tailles d'entreprise ou des projets industriels qui valorisent effectivement le, le territoire, eh bien plus on trouvera euh, des postes aussi euh, d'encadrement, et ça, ça se Découvre de plus en plus l'accès à l'emploi, l'accès à l'emploi hein, qui est aussi de plus en plus ouvert euh, sur Bordeaux euh, grâce à l'ensemble de ces initiatives, facilite l'insertion et, et parce qu'on a souvent carrément. dit que c'était aussi les réseau qui jouait beaucoup à Bordeaux et les parisiens s'en sont plein aussi. Alors pour avoir dans ma vie professionnelle implanté des activités en France et puis peut-être un peu à l'étranger, je ne sais pas ce qu'on met derrière la notion de réseau, mais globalement, le réseau fonctionne à peu près partout. Je ne pense pas que ce soit spécifique à Bordeaux, très honnêtement. Merci Lionel Lepoudère. Alors Daniel Sancier, vous évoquiez tout à l'heure justement le décalage entre des entreprises qui recherchent des compétences pointues qu'ils ne les trouvent pas et aussi des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas en fait des postes correspondant à leurs compétences. Comment vous faites, vous Comment vous travaillez à l'APEC pour essayer de rapprocher l'offre et la demande sur le marché du travail des cadres Alors euh, nous travaillons avec des partenaires, en effet, comme Bordeaux Invest, Invest in Bordeaux. Je voudrais simplement euh, repréciser que depuis plusieurs années, euh, la création nette d'emplois progresse de façon importante sur la région et la métropole. Je, je confirme tout à fait ce que, ce que disait Lionel. Sur euh, la métropole de Bordeaux, c'est environ 2000 créations nettes d'emplois cadres par an que nous, dont nous faisons le, le constat et le recensement euh, depuis euh, quelques années. Alors, c'est vrai qu'il subsiste cet écart. Cet écart, comment nous le travaillons Déjà, euh, en. Favorisant la rencontre entre les entreprises qui recrutent et tout simplement les, les, les candidats hein, que nous rencontrons, qui utilisent nos services, nos outils. Euh, nous avons une grande priorité donnée aux TPE, PME, PMI, puisque nous savons que lorsqu'il y a des compétences qui sont rares sur le marché, très clairement, c'est pour les TPE, PME, PMI que l'attractivité va être la plus compliquée. Et pour différentes raisons d'ailleurs. Sachant notamment ils n'ont pas de DRH, qu'ils n'ont pas cette culture forcément de recrutement interne, c'est un vrai oui, métier. Hein. Donc, en effet, mmh. il peut y avoir aussi une question de salaire. On comprend bien que dans une petite entreprise ou petite ou moyenne entreprise, les salaires ne soient pas forcément à la hauteur de ceux pratiqués dans une plus grande structure. Donc on, on, on travaille sur ce rapprochement. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, 100% des offres d'emploi confiées à l'APEC. 100% des offres d'emploi en provenance de TPE, PME, PMI seront systématiquement diagnostiquées par nos consultants et dès qu'il y aura repérage qu'une offre est en décalage finalement avec le marché, avec le potentiel du marché côté cadre, il y aura systématiquement une prise de contact de façon à voir comment on peut rapprocher au mieux cette demande des compétences disponibles sur le marché. Bien sûr que ça passe aussi, et Lionel l'a mentionné tout à l'heure, par les actions de formation. Euh, les, le, le maillage d'action entre les partenaires que nous sommes fonctionne de mieux en mieux. Alors nous n'avons pas de baguette magique, mais il contribue à réduire cet écart. J'en veux pour preuve euh, des POE montés notamment sur la data récemment pour des personnes qui très clairement vont trouver un emploi tout de suite. Dans, voire même avant même d'être entré en formation. Euh, je voudrais aussi citer l'ouverture du, CP, du, du CPF, de l'application et du, de l'environnement CPF formation depuis le 21 novembre. Et au-delà même de la facilité d'accès à la formation euh, générée par cet outil, ce qui est en jeu, c'est bien entendu la sensibilisation de tous les acteurs au fait que la formation est un levier efficace. Pour réduire ces écarts entre euh, besoin de compétences et offre de services, des cadres, des jeunes diplômés. Et je, je peux étendre cela à l'ensemble des, des personnes qui, à un moment, recherchent un job ou cherchent une mobilité professionnelle. Lionel Lepoudère, expliquez-nous justement comment vous aujourd'hui vous accompagnez une personne, par exemple un conjoint d'une personne qui est mutée dans la région. Euh, comment ça se passe l'accompagnement et combien de temps aujourd'hui concrètement euh, met à peu près en moyenne une personne pour retrouver un emploi ici alors comment ça se passe en fait, c'est assez, assez simple puisqu'il y a tout un dispositif de, de travail sur le projet professionnel, donc en partenariat avec les acteurs de l'emploi, donc qui permet de déjà de d'aider en fait à, à une personne en mobilité, donc le, le L'accompagne, le compagnon, euh, de le conjoint d'un collaborateur qui vient a dit, de l'aider, de s'approprier le marché de l'emploi, de s'approprier effectivement les typologies d'entreprise, les typologies de secteurs et de regarder effectivement quels sont les points de correspondance entre son profit, son parcours, ses motivations et son projet professionnel, parce que. Il y a le CV, mais il y a ce que j'ai envie de faire, il y a comment j'ai envie d'évoluer, est-ce que je veux me réorienter professionnellement, est-ce que je veux acquérir, créer une entreprise, est-ce que je veux trouver un emploi Il faut y avoir moult, moult solutions à trouver. Donc il y a un travail d'accompagnement sur le projet professionnel, et ensuite nous avons créé donc, un réseau qui s'appelle Job in Bordeaux, oui, est. qui est un réseau fermé, enfin, fermé au sens LinkedIn, hein, pas, voilà, sur lequel nous avons euh, associé un comité de pilotage composé de DRH d'entreprises du territoire, c'est Disco, une etc., qui elles-mêmes déjà publient des emplois, et donc qui permettent effectivement de faire un genre de, de croisement entre des CV qui arrivent, des talents, des compétences sur lesquels il y a eu des entretiens-conseils, et puis des emplois qui sont publiés. Et le, oh. le conseil que, ou les conseils que vous donneriez justement à un cadre qui cherche du travail, qu'il soit muté ou pas muté euh, les conseils, c'est de se rapprocher très vite des acteurs de l'emploi, de se rapprocher très vite euh, de, aussi d'Invest in Bordeaux dans le cadre des euh, cadres en mobilité. Euh, et parce que là, effectivement, il y a toute une dynamique euh, d'insertion euh, et d'accès en fait à l'emploi et évidemment de, de rebond assez facile, puisque quand vous arrivez sur un territoire que vous connaissez ou ne connaissiez pas, il faut effectivement générer du contact, il faut générer de la relation pour travailler à affiner pour un cadre son projet professionnel, son évolution, son projet de carrière, qui peut en fonction.

Des, de chacun des individus est totalement variable et différent. Je, ce que je voudrais dire en complément, c'est qu'on n'idéalise pas non plus certains métiers, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout numérique, tout digital. On considère que les savoir-faire d'excellence de la région, du territoire, de Bordeaux, de la métropole, vont évidemment couvrir pas simplement les métiers digital. On n'est pas dans le, dans le monde où globalement il faut être full digital, où on est informaticien ou pas, où on n'a pas de boulot. On est vraiment dans un schéma où on travaille vraiment les processus autour de l'industrie, autour des métiers, de l'artisanat, du commerce on prend vraiment l'ensemble des valeurs ajoutées du territoire. Et alors vous êtes optimiste pour les prochaines années, ça va continuer euh, l'emploi <coughs> des cadres euh, à s'améliorer tous les deux Écoutez, moi je suis optimiste parce que, euh, parce que le territoire a un très grand potentiel, parce que euh, la Bordeaux, Bordeaux incarne, euh, voilà, que le sud-ouest et, et la région euh, autour des, de l'ensemble des actions qui sont menées euh, incarnent aussi beaucoup. Euh, on voit bien qu'il y a une vraie euh, nécessité en termes de gestion des équilibres aussi euh, d'aménager un peu mieux ce beau pays qu'est la France et peut-être de déconcentrer euh, Paris. Même si aujourd'hui dans les stats, on a fait euh, avec l'agence. D'urbanisme, une stat, l'arrivée de parisiens représente 12% des emplois en charge Donc, on a vraiment aujourd'hui aussi à prendre relativement le fait qu'il y a un grand débarquement parisien sur Bordeaux. Optimisme partagé, Daniel Optimisme part... oui, oui, il est partagé simplement avec le, le besoin que d'autres territoires que la métropole montent en puissance, tout simplement, et qu'on les appuie. Pour, de façon à ce qu'ils okay. se rendent de plus en plus attractifs. Voilà. Merci Rapides beaucoup. Parce qu'ils ont des atouts. À tous les deux. Merci à vous. Merci. À très vite sur TV7.